On est ici aujourd'hui au Crowley Art Center pour la toute première semaine des modes de Montréal Taille Plus. C'est un événement qui se veut inclusif pour pouvoir célébrer l'estime de soi et la confiance de soi et pouvoir aussi inclure des gens qui sont généralement écorchés par les domaines de la mode. Je vous invite ce soir à me suivre pour un événement merveilleux. À l'idée, à la tête, en fait, de faire ce bel événement-là? Ça nous est venu il y a 2-3 ans, quand on était à la Full Figured Fashion Week de New York. On a découvert un événement qui rassemblait la mode taille plus, des mannequins, des designers. Ça mettait en relation tous ces gens-là. Et on s'est dit qu'ici, à Montréal, il n'y avait rien pour ça. On avait peu d'événements taille plus. On voulait justement créer le premier événement taille plus de grande envergure qui allait pouvoir le permettre de mettre la mode taille plus à l'avant. Écoute, c'est super. Ça faisait longtemps qu'on attendait cet événement. Donc, c'est vraiment la réalisation d'une rêve, pas juste pour moi, mais pour toutes les femmes plus size de Montréal. Comment ça s'est déroulé, en fait, les processus pour faire partie de cet événement? On a participé à un casting. En fait, ce casting a été réalisé dans plusieurs villes au Canada. Et après ça, on a reçu les résultats. On était vraiment contentes d'être choisies, d'être parmi ces belles modèles. Et après ça, nous avons rencontré les designers. On a fait les essayages. On a eu des bonnes pratiques tous ensemble. Et c'est ça. C'est une mannequin qui vient de Las Vegas exclusivement pour l'événement de ce soir. How are you, Rosie, today? I'm so excited to be here at the first Montreal Plus Size Fashion Week, celebrating diversity, curves, the love of fashion, and just it's an exciting moment right now for the plus size industry. Absolutely. How is it going for you with your projects in the plus size industry? You know what? I think it's going plus size industry, mainstream industry. I think it's really great because, you know, it's being celebrated in the entertainment industry. I'm doing beauty segments for Univision. I'm collaborating with different networks. I'm doing different projects, beauty, fashion, and empowerment. And I think the best one of all is the empowerment. Being able to inspire women to love themselves, to dress themselves, to go after their dreams and be passionate about what they want. And I think that's what makes me happy. Maintenant, on est avec Joby, mannequin taille plus à succès. Comment ça va ce soir? Ça va super bien. On est en feu. On a hâte de défiler. On est excité. On est, mon Dieu. On a hâte de marcher et de montrer tout ce qu'on a à offrir à tous les gens ici ce soir, aux femmes avec la chair, des formes, des courbes. Donc, on est vraiment très, très contents d'être ici ce soir. Je sais que tu es une grande pionnière dans cette industrie. Parle-moi un peu de tes projets en ce moment. Bon, Dieu, présentement, je suis en train... c'est un nouveau départ pour moi. J'ai changé d'agence récemment. Je suis avec Next Canada présentement. Donc, c'est un nouveau départ. Je me suis mis blonde. Donc, c'est tous des nouveaux projets. On était un peu inconnus, mais beaucoup de belles choses qui s'en viennent. The Fashion Hero qui s'en vient aussi. C'est une télé-réalité. Donc, des belles choses en vue.